passes des moments compliqués. Même si on a volé au lega, bah moment beaucoup y a pas si. Certains moments difficiles et compliqués. Bah moment beaucoup ils allaient pas si. Sont parfois suivis de tes propres erreurs. Même si tu es allé m'gumbaya ni sala na yomo. Parfois le diable n'a rien à voir. Même si mon gouda c'est la dikamukuna. C'est toi qui ne te comportes pas en tant que responsable. Même si tu es au sein de l'oko la responsable. Tu joues avec ta propre vie. Osa kosaka na bo moina yo. Et tu accuses le diable. Et puis si mon zoko c'est la mais en réalité c'est toi qui dois prendre la décision. Mais na côté les a yoni ou toi décision. Les choix. Le choix dans la vie, cela ne dépend ni de Dieu ni de diable. Et ça qu'on dépend de même la Zambe, même la diable. Dieu nous a donné le libre arbitre. Zambe a sali biso no biso moto pona. Le choix dépend de toi. De kopona, et ça dépend de les habits que tu as portés là. Bilamba wo yonati. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné la libre arbitre. Zambe, mais c'est toi-même. Yo moko. Tu as vu que ça. Au moins si j'essaie un peu de le porter. Sali si oyo na oyo. Ce serait une bonne chose. Dieu n'a rien à voir. Zamba, mais maintenant, mais si le motif qui t'a poussé de le porter comme ça. Alléluia. Amen. C'est là qui peut attirer soit Dieu, soit le diable. Pourquoi? Si tu le portes par orgueil, le diable pourra en profiter. Si tu le portes pour la gloire de Dieu, le Seigneur se glorifiera. Tout dépend maintenant de toi. Tu es au centre. Alors les combats spirituels, nous nous sommes au centre. Si nous donnons l'occasion au diable de prendre le dessus sur nous, c'est pourquoi la Bible dit aucune tentation n'est humaine. Toutes les tentations sont humaines. Dieu ne tente personne et il ne sera jamais lui-même tenté par le mal. Quand le mal arrive, la première des choses, c'est que toi-même tu examines ta propre vie, comment tu as agi, comment tu as pensé, comment est-ce que le diable pouvait avoir l'autorité sur toi. Oui, la réalité spirituelle existe. Le combat spirituel existe. Comme j'avais dit à ma fille, c'est comme un lion. Mais c'est un animal très dangereux. Mais quand vous vous trouvez avec lui, vous vous rencontrez avec lui dans la forêt, si vous vous regardez comme ça, le lion a du mal à vous attaquer. L'homme a été doté d'une autorité quand Dieu l'avait créé. La Bible dit que Dieu lui a doté du pouvoir de dominer sur tout. Pour que le lion t'attaque, il va chercher passer derrière toi, ne pas voir tes regards. Bien aimé dans le Seigneur, si un animal c'est très dangereux comme ça, reconnaît. Mais très souvent, nous-mêmes, nous ne reconnaissons pas ce que Dieu a fait et a mis en nous. C'est pourquoi nous nous retrouvons dans des situations. Seigneur, nous te bénissons au nom de Jésus. Nous remettons ce moment où nous voulons parler de laisse que ton Saint-Esprit nous aide. Au nom de Jésus. Amen. Alors prenons le livre de Éphésiens. C'est là où nous allons introduire. Éphésiens chapitre 6. On va commencer au 10e verset jusqu'au 14e verset. Éphésiens chapitre 6. Nous lisons la Bible. Si vous êtes à la page, vous pouvez nous aider pour la lire. Moi, je vais lire la livre, la Bible de Jérusalem. Vous prenez le c'est long. Éphésiens 6, verset de 10 à 14, il dit. Donc, le titre, c'est les armes spirituelles du chrétien. Au reste, fortifiez-vous donc dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Les ruses du diable. On ne parle pas de l'autorité du diable, mais les ruses. Les ruses du diable. Les ruses, c'est l'intelligence d'une manière négative. Ruses, c'est comme on parle du malin.
Le malin, c'est quelqu'un qui est intelligent, mais d'une façon négative. Car nous, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc on parle des rises, mais maintenant, pour contrer ces rises, il faut lutter. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, les ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Amen. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. La Bible reconnaît qu'il y a des mauvais jours. Nous ne sommes pas encore au paradis auprès de Dieu. Nous sommes sur la terre. Il y a des réalités qui sont sur la terre. Et la Bible reconnaît qu'il n'y a pas seulement les bons jours, mais il y a des mauvais jours. Mais quand il y aura des mauvais jours, sache-le que il y a quelqu'un qui a le ruse qui est à côté de toi. C'est pourquoi la Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant. Il rôde. Il rôde. Il rôde. Et dans les mauvais jours, si vous n'êtes pas pris dans un sage, et que vous donnez l'occasion à cet adversaire qui rôde. Car la Bible nous a présenté que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et les esprits invisibles que nous voyons pas. Je lis Ephésiens dans la traduction Jérusalem. Ici, ils ont carrément mis le titre combat spirituel. En définitive, rendez-vous puissant dans le Seigneur. Il dit en définitive, rendez-vous puissant dans le Seigneur puisque vous avez un adversaire. Rendez-vous puissant dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. La force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang. Et de chair. Et puis à Moussouni, que nous avons à lutter. Mais contre les principaux, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde des ténèbres. Un régisseur, c'est qui? Si vous regardez le régisseur Azanani, celui qui conçoit les films. Régisseur Azali Moutou, il organise le film, et il prend les acteurs. Et maintenant, ici, on parle des régisseurs du monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres, il y a des organisateurs qui organisent aussi des choses. Contre les esprits du mal. De côté, qui habite les espaces célestes. Qui habite les espaces célestes. Si nous prenons l'exemple de Daniel, la Bible dit que Daniel était en prière. Et quand ange Gabriel venait pour lui donner le message, la Bible dit qu'il a été résisté par les démons du doigt de Père. Alléluia. Amen. Dans les lieux célestes, c'est alors que Michael viendra pour le délivrer. Alors qu'est-ce qu'un combat? Un combat, qu'est-ce qu'un combat?
Ah, nous disons très souvent, il y a Nazabi Tumbananga, Nazabi Tumbananga. On dit souvent que non, je me combats, moi je me combats. C'est une lutte engagée pour attaquer. Ils ont dit pour attaquer ou pour se défendre. Donc, on peut attaquer ou bien on peut commettre bombe. Par les armes. Na oh, ils ont dit. C'est une lutte qui est engagée. Et tomba oh et bandit. Pour attaquer. Pour attaquer. Pour se défendre. Ou bien pour commettre battre là. Donc dans cette lutte. Na et tomba oh yo. Je pense qu'il y a des entités. Ils ont battu mes balais. Vous ne pouvez pas faire un combat vous-même. On va commencer à étouffer yo moko. Vous combattez vous-même. Yo moko mi bunda yo moko. Très souvent c'est très rare. Ils ont rare. Je me combats moi-même. Na ça commet bunda. Donc nous disons c'est très souvent on me combat. Donc quand on fait un combat. Ça signifie que vous. Vous êtes en scène avec un adversaire qui est en scène aussi. Donc, dans ce combat-là, dans cette lutte-là, soit on vous attaque, vous vous défendez, soit vous vous attaquez. Vous comprenez, dans le combat, soit on vous attaque, vous vous défendez, ou soit vous attaquez, l'adversaire se défend. Il y a quelqu'un qui me disait, il y a quelqu'un qui me disait, il y a un choix. Ah, ok, merci. Il y a quelqu'un qui disait, la meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. Je vous conseillerais ceci. La meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. Si on vous attaque, et que vous n'attaquez pas, vous vous défendez seulement, à un certain moment, vous risquerez d'être fatigué aussi et qu'on trouve des failles en vous. Mais si vous attaquez, vous donnez le coup. Et celui qui encaisse le coup, quand il va encaisser le coup, si la mal, il va essayer un peu de reculer pour vous laisser aussi le temps. Mais si vous n'attaquez pas, vous êtes là seulement pour vous défendre. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Dans ce combat spirituel, nous avons lu la Bible. Et nous devons nous armer. La force du Seigneur Jésus. En ayant la force du Seigneur Jésus, nous ne sommes pas là pour nous défendre seulement. Nous avons les armes de Dieu pour attaquer. Quand on nous attaque, nous ne laissons pas l'adversaire nous attaquer. Nous allons nous laisser pour attaquer. Et quand nous allons attaquer, nous ne nous attaquons pas avec notre propre arme, mais nous attaquons avec les armes de Dieu. Puisque les armes de Dieu sont puissantes, et nous savons qu'il y a des puissances, il y a des forces qui agissent, qui nous attaquent, et nous sommes là pour nous attaquer au lieu de les attaquer. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes plus que vainqueur. Si Dieu parle de vainqueur, c'est très bien qu'il y a un combat. Si Dieu ne savait pas qu'il y a un combat, il n'allait pas parler de vainqueur. C'est parler de vainqueur. Donc il sait qu'il y a un combat. En vivant sur la terre, sachez que nous avons un combat. Nous traversons le combat. Mais dans ce combat-là, les gens ne peuvent utiliser les hommes. Le diable peut utiliser je ne sais quoi. Mais la Bible souligne. Ce combat-là, nous n'avons pas contre la chair ni le sang. Ce n'est pas les hommes qui sont utilisés qui sont nos vrais adversaires. Mais nos vrais adversaires sont cachés dans ces hommes-là ou derrière ces hommes, derrière ces femmes. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi il ne faut pas haïr ton frère. Il ne faut pas haïr ta soeur. Tant bien même qui t'a fait le mal. Mais pour chasse celui qui le pousse de te faire du mal. Alléluia. Puisqu'il a été jalouse, il a été jaloux envers toi. C'est la force du mal. Profite de l'occasion pour entrer en lui. Et qu'il agisse pour accomplir ce mal-là. Puisque la Bible nous a dit, nous avons des esprits mauvais, des esprits mauvais, disons, qui agissent. Mais comment ils doivent agir? Comment ils vont agir? Ils vont agir à travers nous qui portons la chair et le sang.
Et si nous leur donnons l'occasion, ceux qui t'ont fourré, ils c'est pourquoi la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Donc, le diable ne peut pas entrer directement. Ce n'est pas lui qui t'a créé. Tu es un créateur, une créature plutôt. Et tu as été créé par un créateur. Tu as été créé à l'image de Dieu. Et le diable, quelque part, il sait très bien que tu as l'image de Dieu créé à l'image de Dieu à la ressemblance de Dieu. Ne connaissant pas Dieu. Non, à l'époque que nous ne connaissons pas Dieu. Malgré ça, mais Dieu a permis que nous soyons protégés. On ne le connaissait pas. Mais le diable n'avait pas l'autorité facile. Puisque nous n'avons pas été créés par lui, nous avons été créés par Dieu. C'est pourquoi j'avais expliqué à ma fille. J'ai dit, je vais te donner une anecdote. Et il y avait quelqu'un qui a été initié dans la sorcellerie. Ça, c'était la sagesse africaine. Alors, quelqu'un jeune qui a été initié à la sorcellerie. Au-dessus d'un village, et une maman qui était en colère, s'est fâchée contre son enfant. Elle dit à son fils, à côté, tue-toi. Double-toi. Et le vieux là, on dit, et puis, docteur, Mkolo, tu as vu, a il a déjà livré. Maman, on a pissé son déjà. Il a livré son propre sang. Donc, il y a un candidat. Donc, tu as déjà un tout monde à partir de la maman. Ils ne font pas entrer comme ça. Pourquoi ça donne l'occasion? Ceux qui m'ont supporté. Bien-aimés dans le Seigneur. Sachons contrôler notre langue. Sachons maîtriser nos émotions. Même si vous êtes en colère, il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu veux libérer dans ta bouche. Car la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Sache-le, tu veux libérer la mort dans ta langue. Et les forces du mal et les profits du profit de nos occasions pour agir. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et la mort. Nous venons tous ici. Personne ne, je ne crois pas ça, que personne qui quitte sa maison, il vient ici pour aller venir haïr les autres. Non, je ne crois pas. Il quitte sa maison pour venir haïr quelqu'un. Non, je ne pense pas. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos faiblesses humaines? Si nous n'arrivons pas à nous maîtriser, si nous n'arrivons pas à nous contrôler, si nous n'arrivons pas à faire un bon choix, et prendre une bonne décision, c'est alors que nous pouvons basculer. Amen. Et le diable vient maintenant nous y dire. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce combat-là, je vous ai dit, c'est un combat engagé. C'est un combat engagé où vous pouvez attaquer ou vous pouvez vous défendre. Jésus nous a dit ceci, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Donc ça signifie qu'il avait mené un combat et ce combat, il n'a pas mené pour lui. Il a mené ce combat pour nous. Afin que nous participons avec lui dans la gloire du Dieu le Père et que nous soyons aussi les vainqueurs. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe? Nous ne restons pas avec le Seigneur qui a vaincu le monde. Nous voulons marcher de notre, selon notre manière. Nous voulons faire des choses de notre façon. Et à la fin, nous finissons par tomber là. Et vous allez commencer à demander où est. Mais tu as pris ton chemin toi seul avec ta propre décision. Et tu as laissé Dieu à côté. Mais maintenant tu as rencontré l'adversaire. Et l'adversaire était plus fort que toi. Mais je vous dirai ceci. Quel que soit ce qui peut se passer dans ta vie. Si tu agis par amour, tu vaincras toujours. Amen. Si tu agis par amour, amen. Et
Moi, je dis aux gens, je n'ai pas vraiment la place de mettre la haine dans mon tête. Donc, la haine pèse lourd. Il ne sera pas tranquille. Il va chercher à contrôler comment. Il est passé où? Qu'est-ce qui se passe? Laisse-le. Laisse-la. Et à la fin, j'ai suivi quelqu'un qui faisait la conférence. Il dit celui qui a la haine, la colère, la rancœur. C'est comme quelqu'un qui prend du poison lui-même. Il finira par s'empoisonner et mourir. Beaucoup de maladies que nous attrapons ici, tu peux être épargné de toutes ces maladies-là. Si tu évites la rancœur, la haine, Dieu est amour. Pour que tu gagnes ce combat-là, il faut que tu entres dans les chemins de l'amour, dans les chemins de pardon, dans les chemins de miséricorde. C'est pourquoi, malgré tout ce qu'ils ont fait à Jésus, le Seigneur Jésus ne s'est pas vengé. C'est pourquoi la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Bien aimé dans le Seigneur, Étienne, on est en train de les lapider. Il veut mourir. Il lève les yeux vers le ciel. Il voit le Seigneur Jésus. Il voit Dieu dans sa gloire. Il regarde ses hommes. Il dit Dieu, ne leur impute pas cette faute. Que tu leur pardonnes. Écoutez, bien-aimé. Si tu agis comme ça, quel que soit le temps, tes adversaires seront tes marchepieds. Mais si vous utilisez la même arme avec l'adversaire, écoutez les risques. Les risques, c'est quoi? Celui qui sera plus fort, celui qui vaincra. Vous comprenez? Amen. Si vous utilisez la même arme, elle aussi, je vais vous dire ceci. Il y a même un des professeurs de psychologie, de maman lisait. Quand les gens se rencontrent, même moi je sais ça. Quand les gens se rencontrent, si vous souriez, ce n'est pas ça. L'homme intérieur. Amen. Il se rencontre. J'ai un exemple de Marie avec Élisabeth. Quand ils se sont salués, ils ont essayé. L'homme intérieur, il se rencontre. Si je fais semblant et que je ne t'aime pas, si tu es vraiment sensible, amen. Alléluia. Dieu va les sentir. Et c'est pourquoi certaines personnes disent ça. Elle est pas entrée. Donc, elle est entrée. Écoutez, bien-aimé. Même, je donne l'exemple, les nazis, les racistes, les gens mauvais, ne les haïssez pas. Quand vous les haïssez, vous allez vous rencontrer. Puisque les gens, ils ont la haine. Vous comprenez? Ils ont déjà la haine. Quand vous allez vous rencontrer, l'énergie de la haine va l'attaquer, et lui aussi l'énergie là, va t'attaquer. Et celui qui sera plus fort, bien aimé, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous avons à lutter contre les principautés. Mais je me demande parfois comment les gens, quel genre de cœur ils ont. Il a empoisonné quelqu'un. Il a fait du mal à quelqu'un. Il dort paisiblement. Il cherche à aller faire du mal à quelqu'un. Et il est calme. Même dans le Seigneur, je ne saurais pas supporter des choses. Personnellement, moi, je ne saurais pas. Je pense que chaque nuit, je vais commencer à me réveiller. Invitez cela. Il faut c'est ce qui vous diminue spirituellement. Certaines personnes me disent,
Non, il y a une phase à la kiss. Oh, il y a une phase à la kiss. Comment va-t-il se faire pas Cuba? J'ai parlé avec un de l'heure. J'ai dit mon fils. C'est moi, Nanga. Le jour où tu prendras. Le jour où tu comprendras que ceux qui te font du mal, ce ne sont pas vraiment mes vrais adversaires. Et que je les aime, que Dieu les aime. Le jour où ils reviendront dans leur propre conscience, ils finiront par reconnaître qu'il fallait faire un de Bonangaï. Et c'est ce qui donne la force. Tous les hommes, des grands hommes sur la terre, ce n'est pas ceux qui ont fait la guerre, je ne parle pas de ça. Ceux qui sont respectés, qui ont transcendé ces sentiments, celui qui lui a fait du mal, il le salue. Il y a ce monsieur, il a dans son livre que j'ai lu. Quand il était devenu président, ils sont allés dans un restaurant. Alors, ils ont commencé à manger. Il y avait un blanc qui était à côté. Ce monsieur, c'était le policier qui lui faisait du mal en prison. Donc, les amis policiers, c'est pour ça qu'il m'a fait des cartes de prison. Et puis, il a vu ce monsieur un peu de temps. Il était déjà devenu président. Il était quelque part. Pourquoi tu trembles comme ça? Il lui a reconnu. Vous savez, une femme était tout ce qui lui avait dit. Non, moi je ne te considère pas comme ça. Le mal que tu fais aujourd'hui, la liberté, l'homme récoltera ce qu'il a fait. Pour agir. Pour basala. Et que tu retournes dans les mains. Pour écouter dans la mabé. Je dis aux gens. Écoutez tout ce qui est écrit dans ce livre. Et ça se passe aussi, ça se fait. Et salamaka. Peso salam. Faites très attention. Mais keba. D'être du côté du mal. Ose à côté à mabé. Comment on a l'ingal? Salakeba. Faites attention. La Bible n'a côté faux. Vous comprenez, hein? Bible est copié sur ma nionso, na matamuna nionso ba komame. Sala keba, yoza la acteur au copié sa Bible na kota faux. Faites attention d'accomplir la Bible du côté négatif. Alléluia. Amen.
Nous n'avons pas lutté contre la chair et l'esprit. Les combats spirituels. Ce qui est spirituel, ce n'est pas ce qui est physique, ce qui n'est pas visible, palpable dans la vie physique, la chair humaine comme ça. Mais si ce combat n'est pas palpable comme ça, celui qui dit combat n'est pas physique. Je vais terminer par ici, puis c'est introduction et le dimanche prochain. La construction après introduction, dimanche, je vais continuer. Le combat spirituel tire son origine au ciel. Et le combat spirituel ne commence pas sur la terre. Et car c'est au ciel qui le premier combat. Amen. La première guerre. La guerre, c'est un combat qui est livré par les deux camps avec des armes. Donc, et tumba ezali lokomo donc bato côté bale bazo bunda na ezali be bundeli. Psaume chapitre 18 verset 7 à 8. Nous allons terminer par là pour qu'on respecte les temps. Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 8. Celui qui est à la page pour nous aider cette fois-ci. Il y eut guerre dans le ciel. Apocalypse 7 à 8 nous dit, il y eut guerre dans le ciel. Alléluia. Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Oui. Et les dragons et ses anges combattirent. Alléluia. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Ils n'ont pas eu de place là-bas puisque Dieu ne permet pas qu'il y ait des combats, des troubles là-bas. Même dans son église. Même l'église. Si vous êtes faussaire de troubles. Si vous allez mouton, même à mes troubles. Le Seigneur pourra permettre que vous quittiez là-bas. Si vous êtes animé de mauvaise foi. Entre eux, Dieu et la terre, son armée céleste avec Michael, et l'autre côté, les diables aussi, avec ses acolytes, ceux qui ont pris la vie, commencer à combattre. Il a été vaincu. Il ne trouva pas la place aussi. Il a été précipité. Il est venu avec les mêmes intentions. Alors il est venu trouver maintenant les hommes. Mais maintenant il faut les laisser comme ça. Il dit non, ces gens-là ont été créés à l'image de celui qui est combattu. Il faut que le combat continue avec eux. Comment maintenant le combat spirituel est tourné vers nous? Dans la seconde année, tout m'a molli, moi, et comme il se voit côté la vie, tout ce qui se passe du mal. Nous sommes ma belle, Kaka. Normalement, nous n'avions rien à voir au départ. Non, mais on a vu ce que tu es banné, tout ça, qui n'a vu ce que tu es. C'est Dieu et le diable qui s'est transformé en adversaire de Dieu. Et ça, il y a un peu de temps, comme il se voit, et ça, il y a un peu de temps.
Il s'est fait adversaire de Dieu. Mais Dieu ne le voit pas comme son ami. Puisque c'est sa créature. C'est lui qui l'a créé. C'est lui qui s'est fait adversaire. Et tout, mais Dieu est resté serein. Ça va être ce qu'elle a dit. A qui paye au bout de petit Michael. Alléluia. Amen. Michael est allé les terrasser. Donc Michael a créé un panza bambo. Écoutez, je vais terminer par ici. Le dimanche prochain, je vais continuer. Dimanche, on va continuer. Je vais le comprendre. Pour comprendre. Dieu nous aime. Zambé, Dieu combat pour nous. Zambé, Dieu nous protège. Zambé, je vais finir par vous donner un exemple. Je vais le développer le dimanche prochain. Mais n'a pas exemple de vous savez, quelqu'un, un homme de moi, Moïse est mort. À Koufi. Dieu lui-même l'a enterré. Zambé, c'est un problème de combat spirituel. Zambé, à Koufi. Personne sur la terre ne savait où était Moïse. Sauf les diables et les anges. Quand les diables n'a pas ange. C'est un esprit. Oui, tu vas voir le oui, ça fait là où la fait enterré. Diable je te l'ai dit. Jude, le diable a cherché à les prendre. Diable, le Satan a qu'il faut que nous autres. Oh, si vous suivez la Bible, dit. Dieu n'est pas Dieu de mort. La Bible lui est une sainte, parce que ça ne veut pas dire. Dieu de vivant. Il a vaincu encore. Amen. Mais il a cueilli à longueur de souci. Il a laissé le corps de Moïse tranquille. Et puis, tu dis tout ton mot, c'est tranquille. Dieu permettra que tu sois tranquille. Un cadavre. Dieu est allé combattre pour un cadavre. Tu peux adorer Dieu. Tu peux donner les offrandes à Dieu. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux témoigner sa bonté. Tu ne pourras pas combattre pour toi. Mettons-nous debout, nous allons. Nous sommes en train de faire un enseignement. Si vous êtes tous les années enseignement, le fait que vous les compreniez très bien. La liberté, bon compagnon, très très bien. Alors là, vous serez des très bons combattants. Voilà, vous avez un combattant. Des très bons combattantes. Ma combattante et à chaque combat que vous allez livrer, et tout malion sur le côté mon Seigneur permettra que vous ayez la victoire. Puisque nous combattons dans la victoire. Ce n'est pas nous qui prenons les devants. C'est Dieu qui prend les devants. Il prend les devants pour nous. Quelle que soit la situation, c'est la situation est pourrie. N'est-ce pas, Lazare était presque décomposé. Est-ce que ça va éviter de Lazare pour qu'il a couffé qui a pour la vie? Il
Puisque Jésus était en face de lui. Jésus l'a identifié. Pourquoi je demanderai ceci? Que le Seigneur t'identifie là où tu es. Que le Seigneur t'identifie ton problème. Que le Seigneur sonde les résultats de ton problème. Il va t'identifier. Il va résoudre ton problème. Dis à moi la vengeance, à moi la vengeance. C'est pourquoi je veux que tu sois concentré. Quel que soit qui, mais ce qui menace ta maison, ta vie, David a dit ceci. Même dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Je suis rassuré. Non, parce que mon père est général, le président ou quoi. Je suis rassuré. Puisque le bâton et la houlette de Dieu est avec moi. Alléluia. Passons à l'adoration. Et nous allons prier. Alléluia. Yeah.
Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Alléluia.
verrez la délivrance de l'Éternel. Ça va lorsque le vent de la délivrance, le vent de la délivrance, le souffle de la délivrance traverse tout ce qui traverse le moment de combat. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Borobobo Yébachete. Rebaba Yaba. Esprit de Dieu, soit votre partage. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Tous ces soucis qui te rongent, qui rongent ton cœur. Que cela soit déposé sous les pieds de Jésus. Dans la Bible dit que nous apportons nos soucis. Seigneur, sois loué. Merci car tu délivres quelqu'un de ses soucis. En ce moment, je parle maintenant. Que une fraîcheur traverse son cœur. Une fraîcheur traverse son cœur, son âme, son esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la paix de Dieu. Recevez la paix de Dieu. Là où tu étais trouvé. J'instaure la paix du Seigneur Jésus. N'est-ce pas tu es le Jéhovah Shalom? Toi qui donnes la paix. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.